culturel, et puis je suis multisectoriel, comme mon collaborateur venait de le dire. Je me suis senti obligé aussi d'aller soutenir mon équipe. Raison pour laquelle c'était ça ma raison d'être au ministère des Sports. Fondation, pourquoi j'ai voulu aider les gens à travers la fondation. Bon, vous savez, la fondation, nous voulons que ça soit reconnu partout parce que c'est pas tout le monde qui sait que ce qu'on aide. Exemple, nous devons sauter en Olympia avec des gens, ceux qui n'ont pas qui n'est pas stock, ils peuvent aussi aider. Raison pour laquelle, à travers la fondation sera partie. Et c'est lui qui a aussi un problème avec le fait que peut-être nous pouvons avoir, on peut aussi juste aider, c'est pas comme ça. C'est à travers ça qu'on a voulu aider les gens à travers la fondation. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguin, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ne. Ouais, balobi Raf Nguin. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'accorde net dans un film. Ouais, ouais. Congo Promo, babunda na nango. Babu. Raf Nguin. Congo Promo. What a fish, what a nice boss là. Congo Promo deux fois été avec le boss Raf Nguin. Une of me les jeunes leaders de la gare. Avec un ayoyeyo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Congo Promo deux fois été. Congo Promo pour les vérité. On va le dire avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check. Bon, la vidéo est excuser pour ces grands retards. Si j'ai dit léger retard, ça serait minimiser ce que, qui vient de se passer. C'est vraiment un grand retard, pas dû à notre bonne volonté, parce qu'il y a des questions qu'avant qu'on vienne ici, on soit reçu par les ministres du sport. C'est ce qui a fait, vous savez, les protocoles et tout ce qui va avec. Donc, c'est ce qui ne nous a pas permis à ce que nous puissions arriver ici à temps. Mais qu'à cela ne tienne, vraiment, nous nous excusons pour ces grands retards. Et vous l'avez compris, avec nos amis de cet espace, on devait commencer avant tel que prévu, mais nous avons supplié à ce que nous puissions nous rattraper. Et nous n'allons pas prendre assez de temps, plus ou moins maximum 30, 35, 40 minutes. On va arrêter ces points de presse. Il s'agit donc de la présentation d'une fondation, la Fondation Moubass. Fondation Moubass qui a vu le jour il y a de cela quelques années. Je crois que nous allons poser toutes ces questions-là et en savoir la quintessence, l'opportunité de cette création, de cette fondation qui a vu le jour du côté de l'Ikassi au Katanga, mais dans sa ramification. Moubass a vu qu'il était important également que nous puissions atteindre toutes les couches, tous les coins, les recoins de la République du Congo en vue d'assister ou de venir en aide à tous ceux qui ont besoin de la main de Moubass. C'est ainsi que son président national qui est avec nous, Stone Mukendi, jeune qu'il est, il a bien voulu à ce qu'aujourd'hui il puisse rencontrer également cette chef de la presse ici à Kinshasa pour que nous puissions échanger, savoir c'est quoi Moubass, c'est qui Stone Mukendi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il est fait, les ambitions et consorts. Je crois que tout au long de ces points de presse, nous allons échanger tout autour de ça. Donc je vais devoir donner et d'abord, je vais vous présenter à mon extrême droite, il y a le président de Moubass El Kinshasa, c'est lui qui coordonne ici à Kinshasa toutes les activités de Moubass, suivi de coordonnateur chargé de la mobilisation et presse de Moubass à travers le Congo. Lui également il est avec nous et le président national
comme je l'ai dit, Stone Mukendi qui est ici avec nous. D'entrée de jeu, je vais lui donner la parole, juste un mot de bienvenue et puis on va vous donner l'occasion de pouvoir échanger avec Stone Mukendi. Bonjour, bonjour. Je pense qu'il a tout dit. Je tiens aussi à vous excuser. Je suis content pour votre petit accueil. On est ensemble pour moi. Je suis ravi d'être devant vous. J'attends vraiment des questions et votre accompagnement à ma vision me fera aussi plaisir. Merci beaucoup. Donc, c'était la Aston Mukendi. On va échanger. On va échanger en français, en lingala, en swahili, tout ce qui va venir avec. On va essayer de communiquer pour que vous qui êtes ici, les chevaliers de la plume, vous puissiez également en tout cas relayer le message de Mombasa et ça sera une très bonne chose. On va commencer ces jeux de questions et réponses. Et je vois Tony Coco qui. Tony Coco a la parole. Qui veut mon mariage? Tony Coco RTGA. Son Mukendi, bienvenue à Kinshasa. Merci. Et merci surtout de l'idée de nous rencontrer pour parler de votre fondation Mombasa. Et surtout l'initiative, elle est bonne. Nous vous encourageons en tant que journaliste. Merci également de présenter les excuses pour l'heure à laquelle vous êtes venu pour cette conférence de presse. Ça nous fait du bien, mais tout simplement, monsieur, ça peut te faire comprendre. Ma question, la fondation Mombasa, plusieurs fondations en République démocratique du Congo. D'abord, le but est l'élément de différenciation entre la fondation Mombasa et certaines fondations qu'on a plusieurs en République démocratique du Congo. Une toute dernière question, est-ce que cette fondation a un ancrage au niveau national? Voilà mes trois petites questions, mais tout en rappelant que l'heure à laquelle nous avons commencé, merci Tony, la fondation. On s'est excusé pour ça. Je crois qu'on ne va pas nous tenir rigueur. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas indépendant de notre volonté. Donc comprenez, souffrez que nous puissions évoluer comme ça. Stone Mukendi, pour la parole. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je pense pour la première question, notre devise, qui est notre slogan et de la fondation, c'est revenir au secours des démunis. Je pense, c'est juste souligner le secours des démunis. C'est ça notre devise qui est la vision de la fondation. Je pense pour la deuxième question. Aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur national de la Fondation Mombasa, je tiens d'abord à vous remercier pour la presse parce que vous essayez de nous accompagner. Avec le monde actuel, il faut toujours être en bon terme avec les journalistes, non seulement les journalistes, les gens à mesure de nous propulser davantage. En fait, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Aujourd'hui, quand on parle des fondations, parce que les fondations, il y en a des trop, vous allez vous rendre compte que la majorité a pour ambition de postuler. Quand vous vous amenez avec une fondation, et par après, on vous dirait que son propriétaire, demain ou après-demain, il a postulé dans un coin quelconque. Nous, ce n'est pas ça. Et au-delà de tout ça, on est multisectoriel, c'est-à-dire qu'on va dans tous les sens. Je vais m'illustrer par des différents exemples, entre autres. À Lubumbashi, il y a des joueurs qui ont marqué de leur temps, qui nous ont tous emballés dans une très belle ambiance au stade de Mantir, tout comme au stade de la Kenya, qui bat Samaliba, j'en passe les meilleurs. Et aujourd'hui, ils ne sont plus dans leur peau, c'est-à-dire les beaux vents qu'ils ont vécu, ils n'en ont plus aujourd'hui. Et ces genres de joueurs, nous, on les récupère dans la fondation par rapport à leur capacité mentale. Un joueur qui a étudié, par rapport aux conditions physiques, il n'est plus fort, nous, on les récupère. On sait comprendre son niveau d'études, peut-être on le prend pour un huissier chez nous. S'il est fort, peut-être dans les calculs, on fait de lui un comptable chez nous. Donc, ça, c'est d'ailleurs une différence. C'est-à-dire, on n'est pas casé peut-être dans la musique ou ces mots dans quoi que ce soit, ces mots les orphelins. On va partout, on est multisectoriel. Et au-delà de tout ça, il n'y a pas d'ambition politique avec nous. Je vous l'ai dit déjà en avance parce que je sais que ce sont des questions qui vont venir après. Vous m'avez compris, je pense.
Je me suis fait comprendre. Merci. Oui. D'accord. Merci. Je pense à François B. Oui, merci. Il y a pas longtemps, en plein, je suis directeur général PDG de mon propre entreprise. Voilà, merci. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé du multisectionnel. Femme, enfin, merci beaucoup. C'est très intéressant. Nous avons vu dans le secteur de l'environnement, j'étais à l'ICACI, dernièrement, vous aviez remis, je pense, des camions. Des engins. Des engins pour assainir toute la ville de l'ICACI. Vous aviez, c'était à peu près 3, 4, 5 camions avec beaucoup de matériel pour l'assainissement. Alors, est-ce que pour vous l'environnement, le maintien de l'environnement est parmi les piliers des objectifs internes avec votre ONG? Une autre question, c'est de savoir, généralement, c'est dire hein, que non, bon, soyez nouveau quand il y a mon bas les opés, ça. Il y a moi, essayer batté, hein, histoire de. Pourquoi aujourd'hui, si vous êtes vraiment des philanthropes, vous voulez que tout le monde sache que vous le faites? Pour la ni boutique, hein, en tout cas le faire dans le calme et tout. Mais après, moi, ça m'étonne en fait que vous dites que vous êtes très philanthrope, mais. On voit Stone de plus en plus s'approcher des artistes et musiciens, d'être très populaire au niveau des journalistes, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, partout, on sait comment ça se passe. Pourquoi Stone, tu veux te faire connaître dans le milieu people de la ville de Kinshasa? Je veux répondre la deuxième question là. Vous savez, si vous faites bien, par là, je voudrais dire le bienfaiteur ne se cache pas. C'est juste les œuvres qui parlent. Et si vous posez des actes, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que non, c'est pour se faire voir. Non. C'est juste avoir une volonté. Et si vous voulez aider, ça ne vaut pas la peine de se cacher et dire que non, qu'on ne voit pas. Parce que ce sont les œuvres qui parlent. À ma place. Je pense que c'est juste la deuxième question qui a voulu juste répondre. La première, c'était quoi encore la première question? La question c'était pour les engins, l'environnement. Parce que les gens étaient cassés. Ok. Les engins, concernant les engins, en fait, c'est ce qu'il venait de dire, je pense que c'est une question qui a été bien répondue. Quand vous allez remettre les engins, admettons, à la mairie de l'ICACI, la mairie a ses activités et ses activités sont filmées, allez dire, par la presse de la mairie. C'est-à-dire qu'à la mairie, il y a eu une activité. Et la mairie, en partenariat avec la fondation, quand la mairie signe un partenariat avec la fondation Moubaz, la fondation ne s'amène pas avec des journalistes. Ça, c'est notre point de presse. C'est nous qui appelons les journalistes parce qu'on fait un lancement officiel à Kinshasa. Vous voyez? Mais quant à la mairie, c'est la mairie qui signe un partenariat avec la fondation et c'est la mairie qui fait venir ses journalistes. Et même pas faire venir ses journalistes, la mairie a ses journalistes. Et ces journalistes-là, ils diffusent dans leur chaîne de télévision, dans le compte de la mairie. Stone ne bénéficie que de la visibilité lui accordée par la mairie. Donc il n'est pas dit que Stone s'est amené avec des caméras à la mairie. Non. Sur le plan environnemental, quel est le sens que la fondation donne à l'environnement? C'était plus ça en fait ma préoccupation. Dans le cadre d'assainissement. C'est juste là la volonté de rendre aussi notre la ville propre. Oui. Et aussi contribuer à la vision du chef de l'État. Et puis je voulais dire une chose, peut-être vous avez parlé, si vous avez une ambition derrière sa vision. Et vous connaissez plusieurs personnes aiment beaucoup et vrai dans leur secteur. Vous connaissez, non? Donc cela veut dire, exemple, je suis des Lukunga. Alors je veux faire de mon mieux pour construire des ponts et autres choses dans le Lukunga pour que après ça, qu'on puisse le voter. Mais imaginez, nous sommes des Likasi, précisément qui à Lubumbashi aussi. Mais nous avons quitté le machine pour venir encore faire des gestes ici. Peut-être les questions viendront, puisque hier nous étions à l'orphelinat, à Bandal, nous étions au centre des handicapés à Kitambo. Nous avons remis des trucs, peut-être les images viendront. Donc vous allez voir que nous n'avons pas en nous l'idée tout simplement d'avoir
ou bien d'avoir l'intention sur le gouvernement et que le gouvernement. Non, nous les faisons avec notre propre cœur. Comme le président l'a dit, nous sommes plus basés sur l'aide des démunis. Mais par rapport aux clauses avec les producteurs, il me faut 5 billets, il me faut 6 billets, il me faut 7 billets. Bon, vous venez en aide, vous envoyez l'argent des billets, les messieurs adhèrent à Lubumbashi. Et quand je prends l'exemple de Francis Dibaye, il vient avec son patron à Lubumbashi, à Likasi, pour une production. Et Keston avait déjà remis, peut-être, c'est un exemple, hein, il envoie peut-être quelques billets parce qu'ils ont parlé avec Francis, Francis qui veut voyager peut-être avec ses confrères. Mais quand Francis tombe à Lubumbashi, la première des choses, c'est quoi? Sa réaction. Il fait quoi? On connaît tous Francis, c'est la vidéo. On connaît tous Francis, c'est la caméra. Francis peut étendre la main après la vidéo. Au lieu de commencer avec la main, il commence avec la vidéo et finit avec la main. Et quand Francis te diffuse, tout le monde est au courant que Francis est à Lubumbashi, il a croisé un certain stand. Ne pensez pas que Stone part du chemin avec la caméra où il va chercher les artistes et les musiciens. Et aujourd'hui, au Congo, entre nous soit dit, vous avez votre argent, vous accompagnez les artistes et les musiciens, votre nom sera connu, reconnu, sera répandu même. Donc c'est un peu ça. Les artistes et les musiciens, ce sont le nôtre. La conjoncture musicale actuelle, nous la connaissons et c'est pas mal de faire chemin avec les artistes et les musiciens. Merci. Néanmoins, qu'ils soient reconnaissants. Mon Bass, c'est quoi la fondation du Bass? C'est quoi? Et puis la fondation, depuis sa création, ça fait déjà combien de temps? Je voulais savoir. Et depuis quelques temps, Stone Mukendi, aujourd'hui, je parle du président de la fondation, se présente comme étant un mécène. Je voulais savoir, Stone Mukendi, c'est quoi sa source de production? Qu'est-ce que Stone Mukendi fait dans la vie aujourd'hui? Parce qu'on parle de lui comme étant le président de la fondation Brass. Merci. Stone, ouais. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et pour la question plutôt. La fondation Mubass, c'est mon nom propre. C'est le nom, post-nom, le nom, post-nom et prénom. Mubass signifie Mukendi Badinga Stone. C'est-à-dire, c'est ça même le nom de mon entreprise. Moi, je suis un opérateur économique. Je suis en train de vrai dans des livres. Et c'est là d'où vient venir une vision encore à travers mes activités minières. J'ai songé aussi le fait que peut-être je peux avoir dans des mines, faire aussi secours à ceux qui manquent de mes lieux. Raison pour laquelle c'est là le deuxième. Deuxième, combien de temps depuis la création de Mubass? Depuis la création, je dis, je sais que c'est depuis 2015 que j'ai commencé aujourd'hui, j'ai commencé la vision pour la fondation. Il y a, c'est là 5 ans. Je suis en train de parler dans la fondation, mais précisément à l'ICASI. Merci. On va prendre. Je suis un entrepreneur, je suis déjà dans le monde, mon nom est Solonal. Et bien, ça, c'est un bateau, ça, c'est la fondation. Pourquoi ça, c'est un bateau? Pourquoi c'est une fondation? Pourquoi c'est un bateau? Parce que quand on a un bateau, il y 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 a un terrain, pour aider les bateaux, il y a un bateau, il y a un passe. Pourquoi vous êtes la fondation dans le Sénat Sabat? Et puis, pour nous, nous avons des sites. Et donc, la fondation est la marque. Sortie officiellement de la commune, sortie de l'eau, 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 sortie de fondation. Pourquoi j'ai voulu aider déjà à travers la fondation? Bon, vous savez, la fondation, nous voulons que ça soit reconnu partout parce que ce n'est pas tout le monde qui sait que Stone est. Exemple, pour tout le monde, ceux qui ont voulu parler de l'homme, ceux qui n'ont pas été en train qui n'est pas Stone, ils peuvent aussi aider. Raison pour laquelle, à travers la fondation sera partie. Et c'est lui qui a aussi un problème avec le fait que peut-être nous pouvons avoir, on peut aussi juste aider, c'est pas comme ça. C'est à travers ça qu'on a voulu aider les gens à travers la fondation. Et par contre, fondation va dire depuis 2015. Pour ce que vous prenez le connu, il faut aller en étudier. Pour avoir. Et Bandi pour la Likasi. Alors, maman, n'est-ce pas clair par rapport à la question? C'est-à-dire,
au lobby poignée tout ça il y a fondation bon de rose on a besoin de soumis il y a une question dans ça on doit cause à où il peut lui venir en aide parce que ceux qui fondation ils ont des bureaux ils ont des mouton en coûte un instant ou autre et puis bah tu vas cabler bah tu dois appeler la nzela bah c'est bien le mouton ouais ça il vient notre maïs maintenant on va faire une combo tu calles au coufa or c'est un aligat qui peut n'a main à cabler qui bah ouais bah maintenant il est gominé. Il faut bisso. Ceux qui ont une fondation, on a bisso, boulier, l'eau, on a bisso, et boti fruit, ou soit créé, ma bé, on est responsable, on sait que c'est telle fondation qui est passée par là. Vous comprenez? Raison pour laquelle on veut être structuré. Même s'il faut qu'on descende sur le terrain, qu'on effectue des descentes pour nous là-bas, nous couper ça va tomber, ou bien pour son abat. Il faut qu'il y ait quand même une structure. Tout le monde a tout le monde, on a une fondation, on a bisso. Bah, Jules K, Obomoni, Bazet K, Patrick, bah, Junior Chocolat, bah, secrétaire, bah, dans la tout, on va gérer un bon, on va voir. Il faut que tout est là débloqué, que tout est là signé, que tout est là signé, que tout est là. Vous comprenez? Fondation aux Arabes à la barre, à vous. Il y a un mois. C'est 7 ans, parce que c'est la moitié de l'eau. C'est 7 ans, la vie qui était pour maman, c'est sorti les lots dans 2020. Pourquoi vous avez écouté les chats ça? Problème est là. Quand il y a se plaindre pour la Kinshasa, même toi, est-ce que tu peux aller au Kabiso? Je suis un opérateur minier. C'est-à-dire tous les membres qui sont dans la fondation font partie aussi dans mon entreprise. Ce sont en même temps les travailleurs de l'entreprise et les travailleurs de la fondation. Tu vois, c'est ça le problème. C'est déjà réglé. S'attendre à quelque chose, c'est S'attendre à quelque chose, non. La fondation est apolitique. Moi, je ne suis pas un politicien. C'est juste aider de diminuer. Faire des choses par la volonté de Dieu. Vous avez des partenaires? Non, jusqu'à là, je n'ai pas de partenaires. Vous en avez? Vous en avez besoin? Bon, si les partenaires venaient. On ne va pas leur fermer la porte. Mais à condition qu'elle partage la même vision. Nous, on est là pour les démunis, just. Merci. Direct, et puis je suis multisectoriel, comme mon collaborateur venait de le dire, je me suis senti obligé aussi d'aller soutenir mon équipe. Raison pour laquelle c'était ça ma raison d'être au ministère des Sports. Le futur, c'est que vous connaissez. On ne tient jamais le futur. Oui, notre ami, une dernière question. Merci beaucoup. Jules Toumba, quel bon magazine. Ok. Question à nous s'adresser directement à nos histoires, nous qui nous tâtons du fond. Action auto, ça là. Yomo, vous attendez à la nuit en retour. Vous opérez ça, vous osunga, il n'y a rien pour rien du tout. Tant que vous là, tant que vous sunga, tant que vous opérez ça, vous s'attendez à la nuit en retour. Et puis, banane, derrière. Moi, je suis seul, c'est seulement Dieu qui est derrière moi. C'est Dieu qui m'accompagne. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il a fait ça. Nous, il a dans Zambé, de son tour, qu'il puisse aussi m'aider. Enfin, que je puisse aussi voir comment aider encore les gens. En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, par d'autres personnes. Je tiens une fois de plus à donner la parole à M. Stolmoukendi pour un dernier mot. Volonté naïe et le konimi pour attendre un mot, à nous attendre un mot à Sina et à Bélissa. Parce que le ministre n'est pas aussi bien que vous aussi que Stolmoukendi. Non, c'est que moi j'attends des journalistes et l'accompagnement dans mes activités. Si longtemps que je suis ici, je suis en train encore de vivre ici. J'aimerais un peu qu'ils puissent aussi les soutenir après. C'est ce que j'entends bien. Merci beaucoup. Nous aurons notre bureau. Nous aurons les contacts, la représentation de la Fondation Mouba, c'est pour ça, c'est le 0 par 22 88 300.
sans pour autant passer par cette organisation-là. Cette organisation, c'est ce qui coordonne à ce que tout puisse arriver auprès du président national et les solutions vont être trouvées. Parce que je vous assure que Stone Mukendi n'a rien à le système. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.